Et bonjour à vous, messieurs dames, on se retrouve avec Ménard, votre humble serviteur. Aujourd'hui, je vous propose un challenge de taille, puisqu'on va s'attacher à Silas, donc de la cathédrale de la chair, qui permet de débloquer le mode cauchemar 4, donc le mode de difficulté le plus difficile. Je vais vous montrer ça. Alors, le personnage ici que je vous montre est level 63 seulement. Alors, pour les objets, ah, par contre, je vois que mon stuff est éclaté, ce serait pas mal d'aller changer. C'est extrêmement difficile, évidemment, parce que Silas fait énormément d'AE au corps à corps, etc., ce qui vous empêche de le DPS. Plus le gap de 7 levels supérieurs fait qu'en fait c'est très difficile de lui rentrer des dégâts. Il prend très très peu et il vous inflige énormément. Je vais vous montrer ça. Ce sera intéressant. J'espère que je pourrai débloquer un mode un petit peu supérieur ensuite. Ça serait sympa. Donc là je suis level 63 niveau parangon. Ça avance bien. Hop, on y retourne. Et ça doit être mon centième try, un truc comme ça. No joke, hein, no joke, ça doit être mon centième try. Il est vraiment, vraiment, vraiment très, très dur. Vous allez le voir, hein, vous allez le voir. La plupart de ces AE vont one-shot ou 75% de mes PV. Donc, ça veut dire que si vous êtes un petit peu touché avant, bah, c'est terminé. Hein, il vous déchire la gueule. Hop, on y va. Je pense que le mieux, c'est de le faire à partir du level 67, peut-être. Comme ça, vous l'avez en orange, mais de justesse. Là, je la prends, c'est volontaire. Hein, c'est pour pouvoir lui rentrer plus de dégâts. Je connais par cœur ses procs. Celle-là, je vais la prendre aussi. Hop, mais je vais me healer avec ça. Et un cri de guerre. Ici, celle-là, je l'évite. Parce que si je l'évite tout le temps, en fait, je perds trop trop de temps en fait sur le DPS. Et c'est catastrophique parce qu'à la fin, il enrage. Ça, je l'ai pas pris. Et il fait hyper mal. Donc, il faut quand même le tuer assez vite. Quoi, hein, parce qu'il finit par enrager hein, si vous le faites traîner. Et quand il enrage, je peux vous dire que ça a des potes, ça rigole pas trop. Ça, c'est 75. Ah là, je l'ai esquivé. Putain, je l'ai pris, mais je l'ai esquivé. J'ai de la chance sur ce coup-là. Ça, on va essayer de pas trop le prendre. Ça va. Ouh, là, j'ai bien pris par contre. Hein. J'étais coincé au mur. On va rester là parce que pour les, voilà, pour les nanas, c'est bien. Comme ça, elles sont toutes groupées. Ça, c'est la pire phase. Donc là, faut vraiment lâcher tout ce que vous avez. Hop. Faut vraiment, vraiment qu'elles meurent très, très vite. Sinon, ça devient incontrôlable. Pendant ce temps-là, Silas continue de vous attaquer pour ceux qui l'ont pas encore fait. Hop. Ah, dommage. Il y a moyen de me healer naturellement. Il y a peut-être moyen, c'est un peu grid, mais il y a peut-être moyen. Allez, on va le faire naturellement. Ouais, ça c'est chaud. Hein. Et cette phase-là, en fait, le pire, c'est les AE sur le sol. Aussi bien les rouges que les poisons que vous venez de voir, elles ont une hitbox délirante. Et vraiment, en fait, elles proc de manière aléatoire. Vous pouvez vraiment pas faire grand-chose pour les éviter, malheureusement. Parce qu'elles proc pas toutes d'un coup. Donc c'est pas genre, là, il va faire le double. Pas encore. Elles proc pas toutes d'un coup. Du coup, c'est pas genre tu peux te dire, voilà, bah, je me mets à l'endroit où il y a un trou. Non, parce que tu cours vers l'endroit où il y a un trou, mais il y en a une deuxième qui arrive derrière, une deuxième vague d'AE. Donc, t'es quasiment sûr de t'en prendre une. Là, j'en suis au point où je me dis qu'il vaut mieux se les prendre à coup sûr et pas chercher mis à 14h. Une phase un peu terrible, on balance du CD, on y va. Dès que les balrogs sont apparus, il n'y a plus de feu dans les traits que vous voyez sur le sol, en fait. Hop, c'est le temps que les balrogs apparaissent. Wow, ça va, j'ai rien pris. Donc là, c'est les succubes, on balance tout ce qu'on a. Et on serre bien les fesses parce que j'ai pas de CD défensif. Là, il va falloir être bon. On va popoter, là. On y va. Allez, CD défensif, potion. Go, go, go. C'est bon. Hop, ça passe. Ça m'a coûté un peu cher. Il me reste quoi? Ça va. Une seule potion, au final. Là, il va faire la double vague. Donc, il faut repasser derrière lui. Allez, on y va. Le run est pas mal pour l'instant. Hop, hop, hop. On va faire un peu de rage ici, quand même. Parce que sinon, je vais me faire enfermer. Attention à ça. 1, 2 et 3. Merde, j'en ai pris un. Je vais aller chercher la potion quand même qui est très importante. Hop, on se remet là. Tiens donc. Surprise, surprise, ça quand même. C'était un peu gratuit, Silas. Hein. Il y a moyen de le stun là. Non, je pense que je vais être trop juste. J'ai un peu de geste. Alors, on balance. Ah, il est stun. Ah, c'est bon, j'ai annulé l'invocation. Vous voyez, il y a moyen en fait quand vous le stunnez pile poil au bon moment. Alors, il est insensible au stun. Hein. Je parle de la barre de rage, l'espèce de barre de stun en haut que tous les boss ont. Il est normalement insensible. Voilà. Mais on est pas mal là, si je prends pas une salle à eux, on est pas mal du tout. Je parle, mais... Putain, je l'ai eu premier try quoi, il y a plein de vidéos, parce qu'en fait j'ai fait plein d'essais de vidéos, hein. Vraiment, hein, comme un gros fou furieux. Là je vais vraiment... Oh. Ah bah ça, c'était sûr. Allez, là le but c'est juste de popoter comme un fou. Allez, faut que ça tienne, je popote comme un dingue pour tenir là. Hop, on y va, allez tiens le coup mec. Oh. Et vous voyez, en fait, il augmente le nombre de tirs qu'il vous met, hein, bien sûr. C'est ça qui est bon. Et là, je peux pas passer, c'est ça qui est bon aussi. Oh putain, regarde le feu, les dégâts et tout. Oh là 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 là, c'est la merde. Oh, faut que je sorte de ce trou là. Allez là. Allez là, vas-y, donne des CD, fieu. Allez, on y retourne, on le finit. Allez, go 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 go. Ça va passer. Yes, putain. Yes, 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 bordel. Ah, ça régale.
Ah, oh, comment je suis content. Dis-moi que je l'ai débloqué. Ah, je peux vous montrer. J'ai vraiment, hein, c'est pas les conneries. J'ai vraiment peut-être 10, 20 vidéos qui parlent de ça. Ça fait vraiment une plombe que j'essaye de me le faire. Là, je l'ai first try, parce que ça fait 2 heures que je suis en train de dessus à m'entraîner. J'aurais bien aimé vous montrer une ou deux morts que vous vous dites, putain, c'est vrai, c'est chaud quand même. Là, les gens ils vont se dire, ouais, tranquille, moi je l'ai fait une main dans le froc avec mon paladin. je les connais, les gens. Alors, qu'est-ce que ça donne? Putain, du 691, quoi. Tout ça pour ça, ça la rapace, quoi. Ça donne quoi? Galvanisation, chargé d'armes, ouais. Pas ouf, pas ouf, pas ouf, pas ouf, quoi. On va voir si j'ai débloqué le mode de difficulté suprême. J'espère bien, parce que c'était vraiment, vraiment chaud. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'ai pu vous montrer un petit peu la stratégie, etc. au corps à corps. Je pense qu'après, franchement, hein, je pense que si vous le faites level 70 ou 71 ou même 69, 68, normalement vous aurez aucun problème. Sincèrement, je pense qu'il est pas si dur que ça en normal. À voir, hein. Dites-moi votre retour si vous avez galéré ou pas. Alors, Kyovachald, on va voir un petit peu si j'ai débloqué le mode de difficulté. Parce qu'il est écrit recommandé pour joueur 70 en fait. Du coup, je ne sais pas s'il faut attendre d'être minimum 70 pour pouvoir le débloquer ou s'il suffit de faire le donjon. Il y a une petite nuance qui n'est pas précisée malheureusement sur la statue. On va aller jeter un oeil. Déjà, j'ai pas de quête. Ça m'inquiète un peu. J'ai pas de quête. Va voir la statue, mec. Tu vois. Ah, les bâtards. Ah, si, c'est bon, c'est débloqué. Yes, 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 yes. Oh, c'est juste ça. Oh, c'est juste ça. Level 63, tourment 4, c'est du bon. Bon, j'espère que ça vous a plu, Malaskar. Je suis content. De mon côté, je vais aller tester un petit peu les mobs et tout ça. Voir s'il y a moyen de gratter. Je peux le mettre, hein. Ouais, ça c'est normal. Ça c'est bon. C'est bon, c'est mis? Ouais. Je vais aller tester un petit peu ça parce que je sais qu'il y a l'item, il y a les items ancestraux, uniques, tout ça, les nouveaux trucs à récupérer. Ça m'intéresse bien. On va voir, je vais essayer. Je vais essayer quoi, tu vois. On va voir si je me fais pas trop casser la gueule. Je vous fais des immenses bisous. Je vous ferai peut-être une vidéo de moi en train de galérer dans les donjons normales en 70+. À bientôt. Merci à tous. Ciao.